Bonjour à tous, voici le tirage pour nos amis Balance pour la semaine du 12 juillet 2021. Alors, pour nos amis Balance, cette semaine vous serez placé sous le signe de l'ermite. Alors, l'ermite signifie tout simplement qu'il faut prendre plus de recul pour se retrouver intérieurement. Ça oblige à plus de patience et de dévouement et ça ouvre aussi les voies de la spiritualité. Donc voilà, et ici un petit conseil, ce serait prenez le temps tout simplement de méditer. Donc voilà, donc plutôt un message de calme pour nos amis Balance cette semaine. Maintenant, au niveau affectif, on est sur la Lune. La Lune indique tout simplement que il faut vous fier à votre intuition. La Lune indique aussi que vous aurez en fait affaire à votre famille, parce que la Lune représente aussi tout simplement la famille. Donc voilà, donc cette semaine, placée sous le signe de l'intuition et de la famille. Maintenant, au niveau financier et matériel, on est sur la justice. Donc cela indique en fait qu'il faut faire attention à ne pas trop dépenser, il faut rester dans une situation d'équilibre. Donc voilà, donc essayez de ne pas être trop dépensier à mi-balance cette semaine pour conserver un équilibre. Maintenant, au niveau professionnel, alors là en fait au niveau professionnel cette semaine, des envies de liberté, des envies d'agir à votre guise. Vous n'avez pas en fait envie du tout qu'on vous dicte ce que vous avez à faire. Vous avez envie de liberté, mais vous avez envie aussi d'essayer des choses nouvelles, originales. Donc voilà, donc fiez-vous tout simplement à votre instinct, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Le fou est là pour vous indiquer que vous avez vraiment un potentiel d'énergie et un potentiel d'action important. Donc allez-y, essayez des choses nouvelles au niveau du travail cette semaine. Et enfin, la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune indique que vous êtes au début ou à la fin d'un cycle. Donc ça peut être dans tous les niveaux, hein. Ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau financier ou ça peut être aussi au niveau professionnel. Pour vous, j'aurais tendance à dire que ce serait plutôt le niveau professionnel. Donc, vous allez certainement être dans un nouveau cycle. Un cycle, en fait, tout simplement, où vous allez avoir des idées assez différentes de ce qui est fait d'habitude. Donc, allez-y, foncez, n'hésitez pas, parce que vraiment, vous avez toutes les cartes en main pour que cela fonctionne. Bonne semaine, amis Balance!